Tu peux pas atteindre un objectif si jamais t'es pas obsédé par cet objectif-là, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui on va voir les 5 secrets pour être sûr. Hein, je veux vraiment m'assurer que tu as tous les éléments pour vraiment rater ta vie. Okay, ça, c'est super important, les gars. C'est des secrets que tout le monde a déjà inconsciemment intégrés, tu vois. Mais voilà, au cas où si tu ne l'as pas intégré, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, juste en observant les autres, tu verras que c'est des secrets qui reviennent. Juste en observant les gens qui sont autour de toi. Ok, donc ici, c'est Jonathan Chi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement grâce à ton business en ligne. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. J'ai une formation offerte, ça s'appelle Influenceur 2.0. Je te montre exactement comment j'ai fait pour faire 20K en une semaine avec mon business en ligne sur le saxophone. Ok, je te montre en détail comment faire. Et en plus, en bonus, tu as une formation offerte. Donc, tu as masterclass où je t'explique tout ça, plus formation offerte. Et, mais arrête de bégayer, pourquoi t'as peur? Ok, si tu veux lancer ton business, t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. 5 secrets pour pouvoir être sûr de rater sa vie, c'est le sujet de la vidéo. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment être sûr de tout rater. Ok, donc premier secret très important, c'est de toujours dire oui à tout le monde. Ok, faut que tu aies vraiment une incapacité à dire non. C'est très important. Ok, toujours dire oui, tout le temps. Comme ça, ça fait que même si tu as des choses à faire, tu dois rester focus et que tu dois, par exemple, faire des actions. Par exemple, là, tu tournes une vidéo. Ben voilà, s'il y a quelqu'un qui te dit « Ouais, ben vas-y, on s'appelle et tout », tu dis « Oui, pas de problème ». Tu dis jamais non. Voilà, tu dis jamais non. Comme ça, tu es sûr que tout le monde prend ton temps. Voilà, tout le monde prend ton temps et que après tu ne peux rien faire dans ta life. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Très important, donc les gars, dites oui à tout. Franchement, voilà, il faut avoir peur du regard des autres. Il faut avoir peur. Est-ce que les gens vont m'aimer? Si jamais je leur dis non, les gens ne vont plus m'aimer après et c'est chaud quand même. Tu vois, toujours un petit peu en mode victime en vérité. Hein. Au fond, j'ai l'impression que dans chaque secret, il y a toujours un petit truc en mode victime. Hein. Donc, avoir la capacité de dire non, ben non, je peux pas, voilà, excuse-moi, là, je peux pas. Non, je peux pas faire le barbecue, non, je peux pas faire Netflix, non, je peux pas, nanana. Je suis obligé de rester focus par rapport aux objectifs que j'ai fait, ben, je dois faire certaines actions et donc, du coup, je ne peux pas t'accorder du temps, quelle que soit la personne. Deuxième secret pour être sûr de bien rater tout ce que tu fais, c'est de te focus sur des choses mineures. Voilà, des choses mineures qui n'ont pas vraiment un réel impact dans ta vie. Voilà, mais tu restes focus là-dessus. Il y a par exemple, il y a un gars qui t'a pas dit bonjour. Voilà, du coup, toute la matinée, ça te prend la tête. Voilà, donc tu es énervé. Ouais, le gars, il m'a pas dit bonjour, il me respecte pas. Voilà, donc tu te focuses sur des trucs mineurs qui servent à rien. Ou sinon, tu vas te focus sur des choses qui seront pas efficaces dans ton business. Voilà, on t'a mis un commentaire négatif, tu vas rester focus là-dessus alors que ça te sert à rien. Ou tu vas commencer à vouloir répondre à des mails inutiles qu'en fait, qui vont pas avoir un impact sur ton business. Voilà, donc en gros, tu te focus sur des choses qui ne servent à rien concrètement par rapport à l'impact que ça a dans ta vie. Donc ça, c'est très important, les gars. Très important de se focus sur des choses mineures. Des choses vraiment qui servent à rien, quoi. Troisième secret pour être sûr de tout rater, c'est, ça suit un petit peu par rapport au deuxième secret, c'est de ne pas se focus sur les actions qui vont te donner le plus d'impact, qui vont te permettre de progresser beaucoup plus vite, quelle que soit dans la chose dont tu t'investis. Eh bien, il faut que tu te focus sur 20% en gros qui va te rapporter 80% des résultats. Okay? Donc, le secret, c'est justement de ne pas faire ça. Okay? Comment je peux illustrer ça? Par exemple, on va prendre l'exemple d'un footballeur. Okay? On sait tous que l'objectif d'un footballeur, c'est de mettre des buts. Enfin, en tout cas, si jamais on va dire un attaquant. Okay? Son objectif, c'est de mettre des buts. Vous êtes d'accord? Donc, imaginons, il y a deux gars, ils s'entraînent à l'entraînement. Okay? Il y en a un, il s'entraîne juste à faire tout ce qui est technique. Ça veut dire passement de jambes et tout. Passement de jambes, il veut pas lâcher le ballon. Mais vas-y, lâche le ballon, mon gars! Lâche le ballon, mon gars! On est là! Hein? Ça te rappelle des trucs ou quoi? Lâche le ballon, mon gars! Faut, hein? Fais des passes aussi, fais des passes, mon gars! T'es pas tout seul, mon gars, c'est un foot à 11. Donc, du coup, le gars, il s'entraîne à faire que des trucs. Bon, je reviens dans le personnage. Donc, ouais, le gars, il s'entraîne à faire des passements de jambes. Tac, 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 passement de jambes et tout. Crochet, machin, machin, machin. Et il y en a un autre, il s'entraîne qu'à la finition. Je rappelle, c'est deux attaquants. L'autre, il s'entraîne qu'à faire des finitions. Ça veut dire finit bien, plat du pied, hop, enveloppé, propre, coup franc, ok. Donc ça fait qu'après, qu'est-ce qui se passe? Mais le gars qui travaille ses finitions en match, bah, il travaille. Alors oui, peut-être que du coup, il va pas te faire des passements de jambes. Mais en match, il sera efficace, il va mettre des buts. Même si ce ne sera pas beau, peut-être, il aura un jeu moins beau que l'autre qui fait plein de passements de jambes et tout. Mais
il aura travaillé les 20% qui ramènent 80% de résultats. C'est-à-dire qu'il met des buts. C'est ce qu'on veut ou pas? Un but est un but, quelle que soit sa provenance. Eh oui, mon ami. Et on pourrait prendre le même exemple de gars, des basketteurs, par exemple. Un gars qui travaille que les crosses. Hein. Ta, 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 ta. Hein? Un gars qui travaille que les crosses et un gars qui travaille que ses shoots à 3 points. Ouais, je suis obligé de rentrer dans le rôle, sinon ça n'a pas de sens. Oh, in your face! How about that? C'est trop désagréable les commentateurs là sur l'NBA. Donc du coup, c'est qui le plus efficace, les gars? 20% qui ramène 80% de résultats. Peut-être que ça sera pas beau son jeu et tout machin, mais boum, il va mettre des paniers. Donc c'est bien beau les gars qui font du streetball là. Ils font plein de magie. Hop, oh, tu crois que le ballon est là-bas, mais en fait il est là-bas. Voilà, est-ce que tu peux subir la pression face à une défense de ouf et mettre des paniers? Donc voilà, bref, je m'éloigne du sujet. Mais tout ça pour te dire que voilà, fais toujours 20% qui te ramène 80% des résultats. Pareil pour ton business, cherche quelle action, quelle une ou deux actions va avoir un impact phénoménal, enfin phénoménal, on voit, un gros impact pour te permettre d'atteindre ton objectif. Toujours ça, obligatoire. Sinon, tu te perds dans plein de trucs, tu pars dans tous les sens, tu tombes dans le piège du syndrome brillant et tout. Après, t'es plus focus en fait. Tiens, ça sur plus, je crois que je l'ai noté ça. Ah bah si, c'est le prochain point. Ok, bah du coup, on a fini avec ce point-là. Ça fait une transition parfaite. Quatrième secret très important pour être sûr de bien rater ta vie, c'est surtout ne sois jamais focus. Très important. Il faut pas que tu sois focus. Il faut vraiment que genre tu sois tu sois partout en même temps. Il faut que tu sois serial entrepreneur. Ok, tu fais plein d'autres business en même temps. Tu fais trading, tu fais e-commerce, tu fais business en ligne, tu fais un influenceur 2.0, tu fais immobilier, tu lances un restaurant. Vraiment, faut vraiment que tu lances tout en même temps. Vraiment très important. Comme ça, tu es sûr de jamais être focus. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très, très bien. Bon, par contre, si jamais tu veux vraiment réussir, hein, ce qui n'est pas le sujet de la vidéo normalement, mais si jamais, par exemple, tu veux réussir, eh ben, il faut absolument que tu sois focus. Il faut que tu sois tellement focus par rapport à ton objectif que ça soit une obsession. Il faut que tu parles que de ça toute la journée. Il faut que tu sois à fond. Moi, quand j'étais à fond dans le foot, bah, je parlais que de foot toute la journée. Quand j'étais à fond dans la musique, je parlais que de musique toute la journée. En ce moment, je suis à fond dans le business. Bah, je mange ça, je bois ça, je regarde ça, tout. Je suis obsédé par ça. Tu peux pas atteindre un objectif si jamais tu n'es pas obsédé par cet objectif-là, tu vois. C'est pas possible. Les gens, quand ils deviennent champions, c'est parce qu'ils sont obsédés. Regarde les champions, regarde les gens qui réussissent. Ils sont obsédés par ce qu'ils veulent faire, en fait. Et si jamais tu es là juste en mode, oui, tranquille, comme le gars qui m'avait dit, il m'avait envoyé un message en DM sur Instagram, oui, j'ai 2 mois vacants. Dans quel business tu penses que je devrais me lancer? J'ai dit, ouais, toi déjà, t'es cuit, toi. Toi, t'es cuit d'avance, toi. Si jamais tu crois que c'est un hobby, tu vas venir comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Faut charbonner. Et c'est pas facile, ok? Il y en a qui ont des résultats plus rapidement que d'autres, etc. T'en sais rien, ça se trouve tu auras des résultats dans 2 mois, ça se trouve tu en auras dans 1 an, dans 2 ans. Donc non, c'est pas un truc, oui, dans 2 mois, oui, j'ai un petit peu de place sur mon agenda. Je veux me lancer, faire un petit peu d'oseille et puis après m'arracher. Les gars, c'est parce que c'est business en ligne que c'est un truc du loto là. C'est pour ça que les gens ils pensent des fois c'est des arnaques. Parce que si tout le monde pense ça un petit peu, parce que c'est un truc vite fait, chaîne de Ponzi, qu'on gagne de l'argent sans rien faire. Ah non les gars, faut charbonner hein. Donc quand t'es obsédé par un objectif, eh ben, t'arrives à l'atteindre. Parce que tu vas mettre toutes les ressources que t'as à ta disposition, c'est-à-dire le temps, l'argent. Ben voilà, c'est ça. Donc le temps, l'argent, et c'est exactement les 2 ressources que les gens disent. J'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Ah ouais? Non, t'as pas le temps parce que tu veux pas avoir le temps. Parce que t'as le temps de regarder Netflix. Si t'as le temps de regarder Netflix, c'est que t'as le temps. On est d'accord ou pas? T'as pas d'argent? Ah ouais? Et comment tu fais pour avoir un iPhone? Ou un Samsung? Ou la marque japonaise qui sort toujours et qui dit qu'est toujours meilleure que Samsung et iPhone? T'en as un smartphone. Donc pourquoi tu me dis que t'as pas d'argent pour investir en toi et pour pouvoir créer ton business? Donc voilà, faut être obsédé par son objectif. Non, tu vois, c'est tellement dans ma nature. Je veux vous aider à réussir. J'oublie le thème de la vidéo. Donc surtout, suivez pas les derniers conseils que je viens de vous donner, les gars. Sinon, vous allez réussir, sinon. En tout cas, vous allez augmenter vos chances énormes de réussir. Donc non, les gars. Ok, on était sur 4 secrets pour rater sa life. Donc les conseils, ne prenez pas en compte, ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime. Et un j'aime pas parce que t'es vénère, parce que tu crois que le business, c'est un hobby. Voilà, bah non, c'est pas hobby. Sinon, t'auras des résultats de hobby. Hein. T'auras, voilà, faudra pas te plaindre après.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, tu es libre d'accéder à la formation Fearsor 2.0. Tu verras, dès que tu vas t'inscrire, boum, tu vas basculer. Il y aura une masterclass, c'est une nouvelle masterclass que j'ai faite où je te montre exactement comment j'ai fait pour faire 20 000 euros en une semaine avec mon business en ligne sur le saxophone. Et je te partage plein de stratégies par rapport à la Fearsor 2.0. Pourquoi l'argent, pourquoi l'attention sur l'argent. Je t'explique tout. C'est un truc exclusif, c'est pas sur la chaîne. Donc tu pourras y accéder et en plus tu auras accédé et en plus tu vas recevoir une formation offerte pour pouvoir commencer directement étape par étape à créer ton business en ligne. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, il faut choisir ton corps mon gars.